Ça a fait comment nous vivons sur la plateforme Léo Nashua. Je dis à la nous donnons Pité Multiservice et nous avons des citoyens qui habitent sur la plateforme qui viennent prendre service là. Nous allons faire un petit dialogue avec les amis. Comment vous êtes? Je suis Alfred Guillaume. Alfred, qui nous sommes à Haïti? Léo Gann. Combien de temps est Mexique là? Bon, je suis 11 mois là. 11 mois? 11 mois, beaucoup jeune. Jeune. Beaucoup jeune Léa toujours? Non, beaucoup jeune. Oh, mais c'est sérieux tout après le Mexique? Non, je ne suis pas venu pour m'arrêter. Et de passage, moi. Vous voyez qu'elle va finir au Mexique, non? Non, et pas même, pas même. Par rapport avec Haïti, Mexique, bon, sont bon bagaille. Ok. Bon bagay. Mais on vous avez avec objectif pour USA? Oui, parce que j'ai 4 femmes qui vivent à Las Vegas et qui y a moi, oui. Ok, faut t'expliquer, qui sont pensés qui a causé un monde 11 mois là, qui est pour qu'on rentre dans CBP on a toujours? Pour moi-même, c'est n'a pas d'écrasé. Automatiquement, c'est salé. N'a pas d'écrasé pour écrasé. Parce que tout le monde qui a patience, qui était sur affaire, ou jeune affaire. Okay. Vous comprenez ça? Non, parfois, tout, vous faites groupe avec des gens qui ont ambition par rapport à l'USA, bon, ou bien ceci écrasé, ou même sous le temps, ça m'a fait ou suivre tout. Vous comprenez? Et ça met nous là. Vous comprenez? Vous êtes groupe là, ici à présent? Non, moi-même, je toujours fait affaire dans la droiture, je suis un seul. Ah, vous faites un seul groupe? Oui, parce que. Hein? Non, par rapport à ce qu'on est là, c'est-à-dire, ça qui met dans ça, c'est par rapport à payer des cases écrasées. Mais combien de groupes passez déjà? Ça me développe. Bon, ok, combien de groupes? Bon, n'importe 6 à 7. 6 à 7. Oui, il mettait. Dernier, combien de temps est là-dedans? Bon, dernier, moi, j'ai un mois quand même. Un mois. Il faut t'expliquer, nous, qui raison principale qui t'a poussé au venir Mexique pour entrer aux États-Unis? Bon, automatiquement, on connaît. Bon, maman, j'ai nous 6 et 5 garçons, une fille. Bon, toutes les gueules là, on passe 4 passés là. Ça veut dire l'un râle l'autre, vous comprenez? Okay. Ça veut dire que vous avez tous les 4 passés là. Et puis moi-même, vous avez fait passer là tout, automatiquement pour aller chercher la vie. Vous comprenez? Bah, là, vous avez consacré. Mais ce n'est pas une cause conjointe pays qui a quitté. Bon, automatiquement, vous m'attendez tout le temps à le pays d'Haïti pas bon, mais les organes sont encore mieux que Port-au-Prince. Vous comprenez ça? Je ne vais pas mentir pour moi dire ces bagailles, vous comprenez? Comme si gang bagay, m'a dit gang bagay pays a problème non, mais automatiquement côté mi Léo Gann bon, il pas tellement ba nos problèmes. Vous comprenez ça me dit là, moi me parler à qui le doit. Vous comprenez ça me dit là? Ya. Dans 11 mois Mexique là et comment bouger même, comment on fait quoi? Bon, OK. Gérer des tout. Dans 11 mois bon, m'a pas menti, l'aime joindre moi prend, mais automatiquement travail Mexique et tué. Comment on va expliquer ça? Bon, OK. M'ba c'est moi même mon ca mettre sur mon pèse, m'ba peser 50 kg. Mais automatiquement, quand on va aller lever un sac ciment qui coûte 50 kg, qui pèse 50 kg. Et je travaille avec un Mexicain, je tombe avec un sac 50 kg. Vous comprenez ça? Automatiquement, le travail ici n'est pas tellement réglé, vous pas respecté ça. On va peut-être 25 kg. On prend le cas de Chili, il faut qu'on ait le dernier tarif là, 25 kg okay, pour mon côté. Mais oui. Ici, 50 kg. 50 kg, ça veut dire qu'on parle de l'octobre et de la construction. Construction. On comprend et comme ça. Elle est plus facile pour le lien là. Elle est plus facile. Le malé, si je fais 2-3 semaines, je vais parce qu'il y a un petit casque pour manger ici. Pour moi. Et ça, moi. Vous comprenez? Il y a. Quand vous êtes là actuellement, combien de temps vous payez? Bon, 1000 personnes. 1000 personnes par mois? Oui. Oui, c'est la moitié. Parce que je viens de marquer de l'autre côté 3000, 4000 euros automatiquement. Avec bon, je ne sais pas si c'est bon Dieu qui veut nous jouer un bon Mexicain. Au final, on fait un cas pour 1000 personnes, on prend valeur, on nous la donne. Au niveau des salaires, notre travail offert, par exemple, quel maximum pour vous toucher dans le travail ici déjà? Bon, je touche 2400 personnes. 2400 personnes. Chaque semaine. Est-ce que 200 dollars américains par semaine? Oui. Mais ça suffit pour gérer le pays? Oui, il suffit. Il mettait 1600 pour gérer le pays avec. Mais est-ce qu'il y a un cop ça tout? Ou quand on vient ici, là, vous voyez qu'on va ici? Bon, automatiquement, c'est ça qu'on fait là. Et lui, il fait là. C'est ça qu'on donne plus de 1000 services? Oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on vient faire là, vous voyez qu'on va ici? Oui, pendant que vous faites ce mouvement. À travers quel service vous faites là? Mon cash. Je dis, on donne plus de 1000 services, tandis bien mes amis, gagner un service mon cash là, ok? Et comment tu fais à découvrir notre vie de multiservice? Bon, depuis que je suis venu là, vous comprenez? Bon, pour moi-même, depuis que je suis venu, je suis passé là, vous comprenez? Je vais un petit cob, à un petit 4, grand monde qui dit que je suis venu pour me venir, puis je vais me montrer. Bon, depuis là, je vais tout fonctionner avec monsieur. Parce qu'il y a bon service. Ok. Malgré, j'ai dit que ici, là, travaille un petit genre crasé, par exemple. Est-ce que l'autre est Haïti? Et vous avez plus ou moins comparé que ici, là, au plus bon, mais l'autre est Haïti, vous fait plus de par exemple? Bon, et automatiquement, l'MT
Haïti avec par rapport à là, là plus bon pour moi. Ce n'est pas de forme. Le plus bon pour moi. Exemple, je travaille 2400 personnes. Ou après, je vais faire une activité pour me faire en bas et puis pour me fonctionner si j'ai besoin de maro pour m'acheter. Mais Haïti, bon, imaginez, est-ce que tu as 1000$, 2000$ dans le monde, bon, il va même pas faire rien. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, le travail mexicain est le plus bon pour moi. Je vais faire un l'autre, mais pour moi. Vous comprenez ça, M. Zola? L'arrivée aux États-Unis, quel projet, quel objectif même? Bon, projet, c'est bon. Tout le bagage là, je connais les États-Unis, c'est un. Comment dirais-je, un esclave modernisé quand même. Il faut qu'on travaille automatiquement pour me travailler. J'ai une famille, j'ai madame, j'ai petite et j'ai maman tout. On pour me chercher à arranger, pour me faire une activité là, pour ça pour me commencer à pour me tourner back vin la caille pour me fonctionner. Est-ce que vous vivez aux États-Unis déjà? Beaucoup vivent aux États-Unis. Qui est-ce qu'il faut croire que vit aux États-Unis sont vie esclavage moderne? Bon, par rapport avec Frémio. Il y a un peu de temps de vivre là-bas. Oui, il y a qui gagne 3 ans, 4 ans tout. Et tout, il paraît là pas facile. Comme si ou travaille ou fait cobla, mais automatiquement, ou il prend encore. Cobla tout était là. Cobla tout était, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ma poète, parce que ça fait le pape d'une chose pour ne pas décourager. Les vignes, moi-même, ma poète sont esclaves modernisés. Mais malgré tout, ils ne sont pas découragés. Ils ne sont pas découragés parce que tout le monde, bon. Presque toute nation t'a ramené entre États-Unis, pas moi même haïtien qui peut t'a ramené entre États-Unis. Faut mal ouais ça fait père. En cas où arrive États-Unis, où est-ce que faut père? J'en dis là, est-ce que vous pensez ou bien un plan B pour t'a dit bon, on pas remé et puis on va de l'autre côté. Bon, plan B automatiquement m'a toujours carrété, sauf que depuis petit m'a toujours t'a ramené visiter un pays qui c'est Roumanie. Ça toujours dans l'esprit. T'a ramené visiter. Visiter. Mettre une fois 2 semaines. Pendant ou a fonctionné Mexique là pendant 11 mois comment avec espagnol là même bon bah bon menti m'pas tellement fonctionné comme si fait pile temps avec mon mais quand même quelques petits bagages charabia m'ka l'acheter ti a fait moins bagages m'pas ka di m'parle espagnol même ka charabia quand même maintenant 11 mois sous tes focus là parce que m'pas focus parce que t'entends plus sur aléa plus sur aléa voilà. Et pendant là on commence à apprendre anglais là bon. Bon, aller dans le pays, mon chef, on commence à faire des préparations. Non, non, peut-être, m'bawal tu tête, moi si je dis ma tête, moi en anglais. Bon, dégage. Oui, m'ka défendre tête. Bon, non, on fasse en anglais. Ouais, donc qui a des phrases oubliées? Non, dis-moi, bagay en anglais, et puis n'a quitté mon des vidéos qui sont dit dans les commentaires, après vous dans les commentaires. Ok. Ok, d'aller. Show me the meaning of being lonely. Ok, show me the meaning of being lonely. And lonely. Voilà, belle phrase. Mounio, oui. Qui parle anglais, s'il vous plaît, qui ça Michel a dit là, qui te commenter pour nous. Alors, et merci, Zamim, de ce que vous avez suivi moi, et merci de ce que vous avez choisi de participer dans ce choix aujourd'hui. Yeah, ok. Et. Merci. Mais, qui t'a dit pas au lobby, Mounio, qui m'explique là? Bon, seulement, bon, tout le monde qui l'a reçu, c'est le bail à plaire. Et t'as d'Apton. Mais avant tout, avant même moi, aller, vous allez légaliser ta touriste là? Vous allez intéresser? Peut-être si moi, si 4 la camarade 14, ok, ça va arriver, mais toujours, je suis chance, parce que je ne vais pas jamais essayer d'aller dans l'institution pour ta régulariser tête ou même. Je ne vais pas faire ça, non. Ça veut dire que ça va fonctionner dans le pays de façon illégale. Illégale. Oui. C'est pas un problème dans la rue. Bon, mais peut-être ça me pisse même Mexique là toujours. À passer comme si on pile fatwa qui pour aller alors. Pas de problème pour la pression les bagages. Bref, ça en ville. Et puis me vivre tranquille tout. OK. Mais c'est pas Nicaragua, tu passes de venir. Pas Nicaragua. Comment tu vas route là même. Pas aller des routes là. Comment tu fais ça de vivre expérience. Bon route là, me de grand monde qui dit ouvert des bagages, bon même pas elle parce que me te bon agence qui c'est Rose Agency qui Saint-Domingue. C'est lui même qui t'a fait tout bagage pour nous depuis là nous fin descendre avion. Pour une machine pour quand on vient la game en bas tabatchola sans bruit tabatchola Mexico City belle pas difficile bon et l'aime d'ap monter là depuis de mettre matin mais quand même pas décourager me choisi faire petit transborder à pied tout prendre l'autre petit bagage comprendre ça me dit non. OK, en tout pour venir ici là comme dernière question combien quoi vous envisagez côté penser en tout sortir Haïti pour arriver ici là. Bon, en tout, bon, mon canon, bon, en 3000, combien? $3,500 pour moi. $3,500 oui, en tout, pour moi. Parce que je ne sais pas si c'est bon, Dieu qui te voyage, ça vous nous devez, mon bagage, non. On a fini le balcon, nous, ça tenait pas chouin, on va retirer rien même. Pas retirer rien, comme ça, ils me font un bel petit voyage sans bruit, sans compte. Je vais rencontrer la difficulté. Comme si je fouillais le monde, bagage policier, non. Je me souviens, on seul, dans ma machine, je me suis 100 personnes.
après ça pour jusqu'à c'est mal. Et mes amis, ça les quelques mon Haïti là non qui pour qui quelque temps au Bawel. Bon, on pas tellement grand pile famille, juste et maman moi et avec madame moi petite moi. Comment elle est? Pas nous. OK, petite moi c'est Shiva Guillot, madame moi c'est Gina Télémac et puis maman c'est Marie Cyrilia Nicolas, papa c'est Soifet Guillot. Et puis mais d'accord, nous saluons tout le monde ça on dans Léonacho et puis n'a trouvé ses amis. OK, merci beaucoup Léonacho. On love. Moi mais ça. OK, merci à tout le monde qui t'a regardé et citoyens qui devine pour service là dans Don Pite multiservice. J'ai devine voyer cobalé là et dans plusieurs occasions parler de Don Pite, m'pas dit nous ça nous ca vinn faire transfert là. D'accord, merci à tout le monde qui t'a regardé, qui t'a un commentaire et puis tout après dans l'autre occasion.